nouveau vlog. Je suis très très contente de vous reprendre aujourd'hui, puisque ce matin, les enfants reviennent. Je suis très contente, j'ai trépigné d'impatience à vrai dire. Il est actuellement 10h et je pense qu'ils seront là d'ici, je dirais 1h30 à peu près. Et j'ai vraiment hâte. Ce matin, j'ai emmené Anaïs à son travail. Alors, je m'attends à ce que ce soir, j'ai un appel soit d'Anaïs, soit de ses copines pour me demander si elle peut sortir, machin. Et si c'est le cas, je serais un peu déçue parce que clairement, ses frères et sœurs rentrant, j'apprécierais qu'elle soit là. Mais bon, connaissant Anaïs, il y a peu de chance. Bref, comme tous ses copains ne travaillent pas et qu'ils sont tous en vacances et qu'elle est la seule à travailler, du coup, comme elle sait que demain elle ne travaille pas, je pense que forcément, elle va avoir envie de sortir. On verra bien, je m'emballe pas, mais c'est vrai que... ça m'embête un petit peu parce que je pense que les petits seront ravis de la retrouver. Et elle, elle est... En fait, Anaïs, elle est beaucoup moins famille que nous, en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense qu'à la naissance d'Elsa, elle a ressenti une petite forme de jalousie. Et que, en fait, depuis, elle s'est braquée là-dessus. Donc, c'est vrai qu'elle a des liens assez forts avec Adam et Marceau parce qu'ils sont les plus jeunes. Je pense, et que du coup elle a adoré les chouchouter quand ils étaient petits, machin, et que du coup ça a créé des liens. Mais c'est vrai qu'avec Elsa et Koum, c'est pas la même histoire. Bon, après, ils sont pas de méchanceté, ils sont pas désagréables les uns avec les autres. Enfin, bien qu'Anaïs, c'est pas super agréable avec eux. Mais c'est vrai que c'est pas les liens idéaux dont j'aurais rêvé. Mais bon, est-ce qu'il y a des liens idéaux dans des familles? Je ne sais pas, dans des fratries en tout cas. Je ne sais pas. Bref, bon, du coup, là, j'ai commencé mon ménage. J'ai rangé là-haut, donc la chambre des enfants est propre. Il faut juste que j'aille passer un coup d'aspirateur. J'ai fait ma vaisselle, ma cuisine, en fait, est faite. Et là, j'étais en train d'attaquer ma chambre, en fait. Donc, je fais du tri. Enfin, du tri. Non, je ne fais pas du tri, mais j'essaye d'organiser pour qu'on voit le moins de bazar possible. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Donc, j'ai fait des lessives. J'en ai encore une qui tourne. J'ai plié du linge, rangé du linge. Enfin, ça va. Ce matin, je suis active et puis en plus, ça m'aide à ne pas avoir passé le temps, donc c'est très bien. Comme ça, je vais envoyer un petit message à ma maman pour savoir vers quelle heure ils sont partis, que je sache à peu près vers quelle heure ils vont arriver. Mon papa repart après le déjeuner et dès qu'il sera reparti, on vloguera tous ensemble avec les enfants. Ils vont être trop contents. Voilà. Bon, je vais reprendre mon petit train-train et puis. Thank you.
19h20, je crois. On crie et... Bah, ça y est, hein, comme vous l'avez vu en image, on s'est bien retrouvés. Oui, coucou les gens. On s'est bien retrouvés. Donc, bah, tout le monde est là. Hein. Tout le monde est là. Non, pas tout le monde. Bah, si, Chloé fait des dessins. Anaïs. Adam, il est en train de faire du dessin sur le tableau. Enfin, non, en fait, il fait des maths. Avec son père, il fait des maths. Et puis Elsa, elle est sur mon lit, mais elle était un petit peu boudeuse. On va aller aspirer l'araignée Marceau. Il a trouvé une araignée derrière sa maison de Mickey, donc il faut que je monte l'aspirateur. Parce que pourtant, j'avais rangé, mais c'est vrai que j'avais dit que je passerais l'aspirateur et j'ai compris. Ça fait en fait. Est-ce que tu l'as pas feuilleté? Maman, on va aspirer la. Oui, on va pas la respirer, on va l'aspirer. Oui, mais je finis le vlog d'abord, ok? D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a eu du changement. J'ai finalement réinstallé ma table ici. Du coup, bah, mon bureau, je vais vous montrer, il est... il est repassé dans ma chambre, du coup. Voilà, donc du coup, j'ai mis le... Bon, il y a encore mon aspirateur qui est toujours pas rangé. Le tableau, je l'ai mis là, parce que du coup, ça fait un petit... en fait, une petite séparation visuelle. Alors, très petite, hein, mais comme ça, on voit pas mon portant qui est derrière, en fait. Puisque j'ai descendu mon portant. J'ai du coup entassé les cartons qui me restent derrière, mais il faut que je m'achète un meuble pour pouvoir les ranger. Parce que, enfin, tout ce qu'il y a dedans, en fait, c'est tout mes papiers administratifs. Donc, il me faut un meuble au niveau du bureau. Donc, ça sera plutôt dans le coin là-bas pour les ranger, puisque... J'ai... Ouh, attention, chouchou, j'aurais pu te faire mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais venir aspirer l'araignée, Marceau. J'arrive. Donc là, j'ai réinstallé mon bureau. Alors, le petit panier que vous voyez là, c'est un panier que j'ai à monter qui est en fait du linge à laver. Que Anaïs avait entassé. Donc moi, j'en ai rajouté ce matin en rangeant, mais Anaïs avait entassé ça dans la chambre. Et puis bah du coup là-bas j'ai une petite caisse. Alors en fait c'est à la base c'est les manuels d'instruction qu'on avait acheté quand on avait fait l'instruction en famille et je les ai gardés parce que bah, je me dis que ça peut servir. Et du coup j'ai ajouté dedans, enfin j'ai posé par-dessus mon classeur familial, mais bonjour Marceau. Bonjour. Je dis bonjour Mickey. Bonjour Mickey. Bonjour maman. Donc voilà, et du coup bah, je retrouve ma pièce comme avant. Et c'est vrai que le fait d'avoir une table ici, ça me manquait vraiment. Donc finalement Eric m'a aidé et on a remis, donc là il y a encore un peu de rangement à faire, mais on a remis la table à l'intérieur. Et pour moi ça sera clairement mieux. Du coup je vais maintenant accrocher tous mes cadres là qui sont partout. Et du coup il y a du changement dehors puisqu'il n'y a plus de table sur la terrasse. Par contre, bon là il est par terre parce qu'en fait il a plu tout à l'heure, donc je l'ai rentré, mais maintenant j'ai une chaise longue. J'ai une chaise longue, oh là là, il va y avoir de l'orage. J'entends le ciel qui gronde. Donc voilà, j'ai une chaise longue maintenant, donc ça c'est les sièges que les enfants avaient pris tout à l'heure pour s'installer. Et du coup on a re-rempli la piscine, donc elle est opérationnelle pour certainement lundi je pense, peut-être demain si le temps s'y prête, mais... Là, en fait, le ciel gronde, donc je pense que il a plu un petit peu tout à l'heure et je pense que là, on va avoir l'orage. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu le changement que je prévoyais depuis quelques jours et que je n'avais pas fait. Du coup, je l'ai fait ce matin. Donc, c'est très bien comme ça. Et puis, bah, j'ai aussi, du coup, dans la cuisine, j'ai quand même gardé la table, mais j'ai juste changé les chaises que j'ai mises autour parce que les chaises que j'ai là, en fait... Ces chaises-là, elles sont beaucoup trop grosses en fait, et du coup dans la cuisine ça faisait pas bien. Clairement, je trouvais que ça prenait trop de place. Et mon papa m'a ramené deux vieux tabourets, donc je vous les montrerai plus tard, parce que voilà, Eric veut pas être sur la vidéo déjà. Il a accepté que je laisse la séquence où il joue au foot avec les gars, donc c'est là. Mais il ne souhaite pas spécialement apparaître dans la vidéo. Excusez-moi, je rangeais les cordons de cartable. Oh, Elsa pleure encore. Ça doit être la cinquième fois depuis qu'elle est rentrée. Très compliqué. Donc, je ne sais pas pourquoi, hein, mais depuis qu'elle est rentrée, elle ne fait que ça. Elle pleure et pour des bêtises en plus. C'est...
particulièrement agaçant. Mais bon, je vais aller passer l'aspirateur là-haut pour enlever la fameuse araignée de Marceau. Et puis, comme ça, ce sera fait en plus. Donc voilà, Elsa est encore très en colère. Et elle recommence à pleurer. C'est pénible, c'est vraiment pénible. Bon, il est 20h50, donc nous allons clôturer ce vlog. Ouais. Oh, attends, tu prends pas de place, toi. Hein. T'es pas lourde. Oh, avec ses cheveux dans la bouche. Donc, nous avons passé une excellente journée. Donc, et une bonne soirée. De nous retrouver. Alors, ce soir, on a mangé des sandwichs. Hein. Merci pour la porte qui a claqué. Et le beau temps revient à cette heure-là. Donc, je pense que demain, on aura une belle journée, j'imagine. Donc, comme je le pensais, Anaïs est sortie. Et donc, elle ne reviendra qu'à 23h. Donc, j'ai exigé 23h, puisque les enfants veulent regarder Fort Boyard ce soir. Donc, comme ça dure jusqu'à un petit peu plus de 23h. Comme ça, elle aura le temps de les voir avant. Là, dans 10 minutes, ils en peuvent plus, là, ils s'ennuient et du coup, ils ne savent pas comment s'occuper. Profitez, là, il commence à faire beau dehors. Non, il veut pas jouer avec nous, il aura un soleil pour tes appareils. Et t'as besoin de quelqu'un pour jouer. Avant, il ne veut pas jouer, moi, je vais venir. Si, moi, je vais jouer, j'ai perdu. Oui, mais il faut être au moins 2, il faut être au moins 3 pour jouer. Je crois que j'ai perdu, toi. Non, je veux jouer, mais c'est... Flemmard. Trouillard. Oh, ça va. Flemmard. T'as attendu, moi. C'est pas vrai. Flemmard. Bon, on va clôturer. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon dimanche, en fait, surtout. Ouais, on a... Et stop. T'as dit quoi? Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vais vous dire à lundi pour une vidéo facecam et une story time. Facecam. Et ça veut dire quoi? Du coup pour vous à mardi pour le prochain vlog. Ta vidéo de. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis Un pouce en l'air. Un pouce en l'air, exactement. Et des Ah après des pouces en bas si vous avez pas aimé hein, il faut dire ce qui. Mais t'as quand même 1146 abonnés, mais 1146 ça... abonnés hein. 47 ça ne monte plus là, attention. C'est dommage. 1147 abonnés. 1147 c'est quand même assez hein. Je crois qu'en fait. 146, c'est ça, tu me fais mal. T'es pas censé faire payer. Tu me fais mal. Maman, à ma hanche. Maman, t'es pas censé te faire payer. Bon, bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous les amis. Ouais.